Beba El Chill. On vient du bout du monde pour le voir, mais surtout pour le déguster. Lui, c'est le jambon Pata Negra, une star incontestée en Espagne. Considéré comme le meilleur jambon cru du monde. Excellent. Excellent. But it's very good, yes. It's very good. Français, italien, anglais, pas besoin de traduction, tous sont d'accord, ce jambon est tout simplement délicieux. Mais ce que ces touristes ne savent pas encore, c'est qu'il est aussi très bon pour la santé. Difficile à croire, non? Ça me semble très salé, c'est de la viande, d'habitude la viande c'est pas si bon que ça pour la santé. Eh bien si, mademoiselle peut se resservir sans culpabiliser, même si cela paraît incroyable, le jambon Pata Negra est bon pour le cœur. Nous allons vous expliquer pourquoi. Direction les pâturages de l'Extrémadure, la région du sud-ouest de l'Espagne. Je vais vous présenter le porc ibérique. J'en ai 525 ici. Le porc ibérique est une race unique, élevée seulement dans cette partie du monde. Un cochon différent, déjà par la couleur. Il n'est pas rose, il est noir, de la tête aux pattes, d'où son nom de Pata Negra. Dans la famille de Francisco, on élève cette race de père en fils. Et pourquoi ils sont si bons? Eh bien parce que tout ce qu'ils mangent ici est naturel et qu'ils vivent en permanence à l'air libre. Parmi leurs aliments, un va faire toute la différence. Voici le gland. C'est ça le secret du jambon ibérique. Le gland, la bellota en espagnol. Le cochon ne se contente pas d'en grignoter quelques-uns, il en absorbe 10 à 11 kilos par jour, soit plus d'une demi-tonne au cours de sa vie. C'est ce qui va donner la saveur si particulière au jambon Pata Negra. Mais pas seulement, car en plus d'apporter du goût, le gland est chargé d'acide oélique, le même que l'on trouve dans l'huile d'olive, un acide qui prévient les maladies cardiovasculaires. Il n'y a que le cochon ibérique qui soit capable de transformer les bons acides gras du gland en cette graisse spéciale qui n'existe que sur ce jambon. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est la graisse qui est le meilleur pour la santé. Pour s'assurer qu'elle est donc bien chargée en gland, Anna vient contrôler les jambons de Francisco. Même après avoir séché pendant 2 à 3 ans dans les caves, le jambon doit conserver son odeur fruitée. Je viens de contrôler son arôme, il n'y a aucune anomalie, aucune imperfection. Il peut donc être étiqueté pour être vendu. Le verdict d'Anna est bon. C'est elle qui délivre le label de qualité dans la région. Et depuis quelques mois, elle accroche une nouvelle étiquette. On peut y lire « Fondation espagnole du cœur », ce qui signifie que les médecins eux-mêmes recommandent sa consommation. On a constaté que la consommation de jambon ibérique de notre appellation d'origine diminue le mauvais cholestérol. Du jambon pour faire baisser son taux de cholestérol, oui, vous avez bien entendu. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'étude de cet éminent professeur de l'hôpital de Badajoz. Nous avons constaté une baisse radicale du cholestérol, une baisse évidente du cholestérol LDL, celui que l'on nomme vulgairement le mauvais cholestérol. Et en plus de cela, ce produit maintient le bon cholestérol, celui que l'on appelle le HDL. Une étude réalisée grandeur nature, car Antonio s'est rendu chaque jour dans cette maison de retraite. Pendant 6 semaines, pensionnaires et personnel ont mangé une ration de jambon, mais pas n'importe lequel. Le Pata Negra, le fameux cochon nourri au gland. En cuisine aussi, Florianza a suivi ce régime particulier. J'en mangeais matin et soir, tous les jours. 75 grammes le midi et 75 grammes au dîner. C'est alors produit un surprenant phénomène. J'ai vu mon cholestérol baisser et moi qui prends vite du poids, et ben là, rien. Comme par magie, le cholestérol a baissé. Et ce, chez tous les participants, de façon parfois très significative. Moi, mon niveau de sucre a tellement baissé que le docteur a été obligé d'ajouter des gâteaux à mon menu. Parce que mon cholestérol était si bas que c'était de la folie. En plus de cette bonne nouvelle, d'autres analyses révèlent que dans ce jambon, tout est bon. Il est riche en vitamine E, un antioxydant très à la mode qui freine le vieillissement. Mais aussi en vitamine B1 et B2, en fer, en magnésium, en calcium et en zinc. Pour le docteur Garcia, l'idéal est donc de le consommer régulièrement.
Ce jambon peut très bien se substituer à tout autre plat de viande rouge avec la certitude que lui, au moins, il fera du bien à la santé. Il a de la bonne graisse et plein de protéines. Un jambon presque aussi efficace qu'un médicament. Seul bémol, son prix. En Espagne, on le trouve à 110 euros le kilo, des prix qui peuvent grimper encore plus en France. Alors, comment l'acheter sans se tromper? Un seul mot-clé, bellota. Ce doit être écrit sur l'étiquette, c'est le mot magique, et la pâte doit ressembler à ça. Ça, c'est le vrai jambon ibérique. Il doit avoir le sabot noir, c'est super important, sinon c'est pas un vrai pata negra. Et ensuite, on le voit ici, il est strié. C'est un jambon qui a plus de graisse, mais elle est différente car elle est infiltrée dans la chair. Et si vous l'achetez à la coupe, voici ce qu'il faut savoir. Ça, c'est du serrano, un jambon classique. Et ça, c'est le célèbre ibérique de bellota. Même plusieurs heures après avoir été coupé, le bellota sera toujours brillant. Alors que celui-ci va prendre une couleur plus sombre, ça veut dire qu'il devient plus sec. Plus sec et surtout sans les bienfaits de son cousin pata negra. Reste donc à faire des économies en attendant qu'un jour peut-être, le jambon pata negra de bellota soit délivré sur ordonnance.